Hoorah. Ok. Oh, hé. Voilà, je sais pas comment commencer cette vidéo, Chacal. What's up, la famille? Oui, tu sais déjà, c'est le Chacal. Bienvenue sur la page la plus lit du confinement. En parlant de confinement, à ce qui paraît, le confinement est fini. Mais pour moi, voilà, la vie a rien changé là. Pendant le confinement, tout le monde était dehors, on s'en foutait. Maintenant que le confinement arrive, je sais pas comment me comporter en société. Parce que, ouais, moi je suis habitué de. Ne m'approche pas, Chacal. Maintenant là, faut aller au métro, tout le monde va me coller. Je vais gifler quelqu'un vite fait. Si quelqu'un m'approche dans le métro, je vais les gifler. Même plus reconnaître sa famille. Bref, alors bien sûr, cette page est amour et on s'en bat les couilles. Donc, je vais arrêter de menacer les gens comme ça parce que voilà quoi. Hein? Alors, la famille, comme toutes les vidéos que j'ai fait sur cette page, je n'ai pas d'idée pour cette vidéo. Voilà. Comme vous voyez, mon lit est encore tout défait là. Donc, ça veut dire que je viens de me réveiller il n'y a pas très longtemps. Et j'ai remarqué que vous me manquez. Donc, je voulais balancer un petit truc vite fait comme ça, tu vois. En passant, message très important. Récemment, moi et mon groupe, on a fait un clip vidéo. Ouais. Ouais, Chacal, on a fait une musique, j'ai rappé ma vie, voilà, et même moi, je savais pas que je pouvais rapper comme ça. Comme une télé, si tu me vois, tu m'aimes pas, bah change de chaîne, Chacal. Non, mais sincèrement, c'est le premier projet qu'on a sorti. Et c'est le premier projet que pour moi, personnellement, je trouve que c'est du sérieux. Tu vois, c'est quelque chose un peu au-dessus. Tu vois, je ne fais pas de blagues dans cette vidéo-là. Donc, ouais, juste si vous voulez voir la vidéo, le lien sera dans la description de cette vidéo. Ouais, vas-y, faire un petit tour et dis-moi si tu kiffes un peu, hein, parce que je sens que le flow peut encore s'améliorer. Bref, cette vidéo est sponsorisée par Palm Bay. Non, je rigole, voilà, c'est juste que je viens de les acheter, je trouvais ça lit, je devais vous les montrer. Regardez comment c'est beau. Maintenant, ils me sponsorisent pas. Bah ouais, t'as capté, là, c'est la saison d'été, donc ça veut dire babouche tous les jours. Tous les jours. En fait, cette nuit, quand je dormais, j'ai rêvé un truc sur mon lit, là, ouais, juste là. J'ai remarqué que chez moi, j'avais des objets bizarre que j'utilise même pas. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils foutent là. J'ai aucune idée qui les a déposés chez moi. Genre, what the fuck? What the fuck? Et je suis sûr que je suis pas le seul. Je suis sûr que chez vous aussi, vous avez des trucs qui traînent là depuis 2 ans, 3 ans. Ils sont là. Ils vous regardent au calme. En mode, ouais, Chacal, toi, je connais tous tes péchés. J'étais vu quand j'étais petit. Mais que personne n'utilise. Ah, moi, j'en ai plein. Moi, je suis un maître. Voilà. Et c'est pas nécessairement des objets, what the fuck. C'est juste des trucs. Je sais pas, ils sont là. On va les voir ensemble, on va essayer d'analyser un peu les bails. Alors pour commencer, on va commencer d'abord dans ma garde-robe. Oui, j'ai plein d'affaires bizarres ici, mais la famille, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Déjà, ma garde-robe, on dirait une chambre à elle-même tout seul. Non, je ne porte pas tous ces vêtements. Je sais pas c'est à qui. Voilà, et tous les vêtements que moi je porte, c'est genre tout ça ici. Tous les autres ici, on porte pas, personne ne les porte. Premier objet, what the fuck. Regardez ça, regardez ces trucs. Ça là, ça. Chacal, c'est une coupe du monde. Qu'est-ce que tu viens foutre là, toi? Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es qui? On se connaît? Toi et moi, on se connaît? On a grandi ensemble? Et je vous jure, ce truc est dans ma chambre depuis un très bon moment. Je n'en ai aucune idée. Non, il n'y a rien dedans. Je pensais qu'il y avait de l'argent, mais il n'y a que dalle. Ça sert à rien. Tu sers à rien. Mais reste quand même là. Parce qu'on sait jamais. Peut-être. Voilà quoi. Alors, j'ai un truc. Il y a de la poussière sur ça là. Oui, c'est une raquette de tennis. Regardez comment c'est, Chacal. Oui, alors oui, vous en doutez tous peut-être. Et non, je ne joue pas au tennis, Chacal. Je n'ai jamais joué au tennis de ma vie. Mais attendez. C'est pas fini là. Le pire, c'est que j'ai des balles de tennis ici. J'ai des raquettes. Chacal, j'ai des balles de tennis. Now that's fucked up. Qui a déjà fait du tennis ici? Attendez, regardez ça. C'est bien. Là, je me sens comme Roger Federer, Chacal. Sincèrement, le truc est là, je pense, depuis. Ça fait genre 10 ans et tout. J'ai jamais utilisé les balles. Mais voilà, peut-être un jour, en espérant que tu me portes fruit, peut-être je vais me retrouver en plein milieu de quelque part. Quelqu'un va me demander, ouais, Chacal, tu veux jouer au tennis? Voilà, au moins on sera équipé, Chacal. On sera équipé. Et sincèrement, jusqu'à là, la chambre, elle. Mais t'es qui, toi? Attendez. Sur la tête de la tête de ma mère. Voilà, et ce truc là, je sais pas ça sort d'où, Chacal. C'est Iron Man. En passant, oui, Iron Man, c'est mon super héros préféré. Mais Chacal, je vous jure, je l'ai jamais acheté, ce truc. Oui, ça a toujours été là. Toujours, regardez comment il est bien musclé et tout. Mais attendez. C'est pour mettre de l'argent. Yo, il y a un trou en arrière et tout, je savais. Qui a mis des pieds? Attendez, on va voir il y a combien. On va voir il y a combien dedans. Parce que voilà, on sait jamais, peut-être je suis millionnaire et tout, je sais pas, Chacal. Et voilà, la famille, si je deviens millionnaire, voilà, et vous tous, je vous donne tous 5$. Roulement de tambour. Yo, je deviens riche. Coupe. Bon, la famille.
Bon la famille, ce que je m'apprête à vous montrer là, pour certains vous allez être étonnés, genre en mode hey, what the fuck Joël, comment c'est possible? Mais oui, oui, oui. Mais oui, ça là, c'est de là là. Chacal. Au fait la famille, j'ai jamais su comment jouer à la guitare. Je sais même pas pourquoi ils sont là. Je pense que voilà, c'est beau. C'est le décor et tout. C'est bon, regardez comment c'est magnifique. Et je vous promets. À un moment donné, je vais apprendre à jouer de la guitare. Et vous allez tous être témoins, je vous le jure. Mais oui, pour le moment, je sais pas jouer. Hein. Regardez, regardez ce que je sais faire. Oui, je me rappelle de toi un jour. Tu m'as dit je t'aime. Voilà, c'est tout. Parce que, hé, chacun, je vous jure, je suis une grosse merde à la guitare et je sais même pas. Ils sont là. Oui, depuis un très 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 bon moment. Je pense que j'ai fait une vidéo où je l'ai accroché et tout. Mais ouais, what the fuck. Je sais pas jouer. C'est comme si le mec, il a plein de photos de Michael Jackson dans sa chambre. Il a jamais écouté une seule chanson de Michael Jackson. Tu vois, c'est chelou. Par contre, oui, je joue très bien du piano. Vous le voyez pas? Ça là, ça c'est mon bébé à moi, ça. Ça, je suis un... Je veux pas trop me vanter, mais ouais, je suis un expert. Expert dans l'art de l'expertise. C'est-à-dire que dans les experts, il y a expert, il y a expertise, puis il y a Joël Essou. Donc moi, je suis au top des tops. Ouais, venez me voir en concert tous les samedis dans le métro. Deux trucs what the fuck, j'ai ça. On est en juin chacun et ça me dit joyeux Noël. J'ai jamais posé ça là, ça ici aussi c'est appel. Je m'en bats les couilles déjà, ils me payent même pas. Attendez, ce que je m'apprête à vous montrer là, ça va être un truc genre what the fuck. Même moi là, je sais pas comment vous introduire ça. Déjà c'est un objet, si t'es africain, tu vas sûrement savoir c'est quoi. Ah, la majorité des maisons en Afrique en ont un. Je pense, à ce que je me rappelle. Eh, déjà ce truc là, je suis sûr que vous savez c'est quoi ça là. Alors ça c'est ce que généralement on met dans les maisons en Afrique quand il y a plus d'électricité. Ça te met de la lumière, c'est avec le pétrole, je pense, ouais. Ça a été acheté au Dollarama à 4$. Mais, oui, chose étrange, c'est bien et bien dans ma chambre. À la journée, ça sert à rien, parce qu'en général, il fait jour. Et oui, bien sûr, bien évidemment, vous le savez tous déjà, je ne l'ai pas acheté. Et attendez, je vais zoomer sur mon visage. Je n'ai jamais acheté ce bail chacal. Je sais pas qui l'a acheté chez moi. Mais le truc est là. Et c'est bizarre, hein. C'est très bizarre. La famille, regardez ça. J'ai ça là. C'est un parfum que j'ai dans ma chambre depuis genre 3 ans. 3 ans. J'ai dit bien 3 ans. 3 ans. Et regardez. C'est vide. Oui, effectivement. C'est bel et bien vide. Alors, sûrement, vous êtes tous en train de vous dire ouais, Joël, pourquoi tu le jettes pas? Pourquoi tu l'as jamais jeté? Je sais pas. C'est 1 million. C'est cher des ouf. Je devrais le jeter. Ouais, peut-être demain. Demain, si je me rappelle. Demain, je te jette. Voilà. Voilà, et demain, je te jette. Bref, c'était... Oh shit. Je me suis cogné pour vrai, putain. Bref, c'était tout pour la vidéo, chacal. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez déjà quoi faire. Ça me fait plaisir d'être comme ça, de partager ces petits trucs avec vous. Parce qu'on n'avait rien à faire de toute façon. Mais le fait que vous soyez là, que vous me supportez comme ça, ça nous donne un peu plaisir. Et bien sûr, en plus de ça, si vous êtes encore là dans la vidéo, ça veut dire que YouTube me met encore plus à l'avance. Donc, on va grandir encore. Ça veut dire que vous augmentez les chances que cette page, eh ben oui, qu'elle bombe. Ce qui veut dire que la page perce. Et on va créer un logo cette année. Faites percer Joël Essou. Et la journée que cette page va avoir 50 000 abonnés, voilà, et je fais le tour du monde. Je viens en France, je pars en Afrique, dans 5 pays en Afrique. Quelqu'un screenshot ça. Dites-moi ça dans un an et tout. Ah, voilà, et on va foutre le bordel partout sur la terre. Mais bref, merci la famille. Pour ceux qui sont encore là, faites tourner la vidéo. Dites-moi en commentaire c'est quoi les objets les plus bizarres, les plus chelous que vous avez chez vous. Parce que je sais que vous aussi vous en avez. Bref, c'est tout pour moi. On se revoit pour une prochaine fois, la famille. Je vous aime, je vous kiffe. Alors restez bien. Si t'as aimé la vidéo, tu laisses un pouce. Ouais, c'est bon. Puis si t'as pas aimé la vidéo, tu sais déjà quoi faire, chacal. Oh.